Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play de Marwa! Et bienvenue aussi chez nous dans ce nouvel appartement. Donc la semaine dernière, c'était le speed build de l'achat et la rénovation de l'appartement. Et donc voilà l'appart loft que j'avoue, j'adore. J'adore, j'avais hâte de commencer. Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Azenor. Hâte de commencer à jouer dedans. On a grave la place. On peut faire beaucoup de choses. La preuve, c'est qu'elle se met à faire la petite. D'accord. Ok. Une petite toile. On a reçu pas mal dessus. Oui, bah, tant mieux parce qu'on avait vraiment le fond du foyer mis à zéro. Comme quoi, j'avais vraiment besoin de thunes pour refaire à neuf l'appartement. Ah, neuf, si on veut. Il y a juste une chose que... Ah ben non. J'avais changé, mais là, ça l'a pas fait. Attendez, je vais le faire. Je l'avais fait, mais je sais pas, j'ai dû merdouiller dans l'histoire. C'est qu'en fait, j'aime pas que ce soit coupé. Donc, j'avais juste bougé comme ça. Du coup, Azenor, elle se retrouve dans le mur. J'espère que ça va pas la faire bugger. Pour qu'on ait un peu plus de place et pouf, voilà, mettre une petite fougère à la fenêtre. Bon, ça fait une salle de bain un peu plus grande, mais c'est surtout parce que j'aime pas couper les fenêtres en fait, ça m'hérisse le poil. Donc, qu'est-ce que la petite. C'est bon, elle s'en est sortie vivante jusque-là. Bon, ben voilà, donc si vous voulez voir la construction de cet appart, vous allez voir ce que j'ai fait la semaine dernière en Spielberg. Apparemment, ça vous a plu de ce que j'ai vu en premier retour. Avec cette magnifique mezzanine. Moi, en fait, quand j'ai vu l'appart, je me suis dit tout de suite, moi, je veux qu'il y ait un étage avec pour les chambres, mais surtout qu'on ait la vue comme ça sur le. Enfin, sur le sous-sol. Sur le rez-de-chaussée. Et vraiment magnifique. Enfin, si j'avais un appartement comme ça. Oh! Oh, je rêve, hein, alors, entre un manoir château et un appartement type loft, si je peux avoir les deux, comme ça je choisis où je vais dormir tous les jours, où je vais vivre tous les jours, ça pourrait être sympathique. Ah, et j'avais mis la petite vitrine exprès pour que l'on puisse mettre toute la collection que l'on a, vu qu'on a toute la collection des trésors de Selvadorada. Donc on va commencer à les... Je pense que, vu qu'en voyant seulement en mettant un, à mon avis, ça va être compliqué. C'est le même, non? Il faudrait pas que je mette le même à chaque fois. Médiocre. Bon, bah dégage. Médiocre commune. Oui, bah non, mais moi je vais pas mettre du caca, hein. Médiocre et commune, d'accord. Bon. Ça, c'est qui? Ça, c'était le voisin qui était crâne en quartz. Excellent et commun. Ah ouais, volute de fumée, c'était pas déjà le même. Mais ça m'énerve, pourquoi ça me refait ça? Ok. Masque de casse en or, 850, excellent, rare. Bah lui, c'est la même, c'est le même. Donc on va le mettre là. La petite grenouille, on va la mettre là. Lui, on va la mettre là, quoique... Ouais, on peut pas vraiment choisir où les mettre, hein. Bon. Celui-là. Ah bah celui-là je peux pas le mettre. Super! Je pensais qu'on aurait de quoi les mettre tranquillement, mais non. Excellent et commune. Voilà, on va le mettre là. Quoique si tu peux te mettre ici pour qu'on ait de la place d'en mettre un autre, ça pourrait être pas mal. Ça c'est dans l'inventaire de Marwa, on a aussi. Mais. Ah mais c'est con en fait, hein, parce que si on peut pas tout mettre. C'est quoi qu'on doit mettre là-haut? C'est les couteaux? Ah bah je vais mettre les couteaux là-bas! Suffit de demander. C'était quoi? Moi, je voulais mettre ça. Bah non, il n'y a pas de place. Oh, ça m'a merdé, hein. Visite surprise. Ah bah, Rieko, elle passe. Ah bah, tant mieux, parce que je me posais la question, vu qu'on avait déménagé, si elle avait toujours les clés, et si elle pouvait toujours passer. Ah, c'est vrai qu'autant en bronze, d'accord. Oui, bon, bah d'accord, hein, je crois que... C'est fait chier, là. Mais non, mais c'est chiant! Caleb, est-ce que tu as... Ouais, t'as un couteau. On va te mettre un couteau ici. Ah ouais, il y a les vases aussi. Ben, les vases, je peux pas les mettre. Ouais, en fait, la vitrine, c'est joli, mais on peut pas mettre tout ce qu'on a trouvé. Alors, récolte en amazonite, médiocre, insolite. Excellent, donc celui-là, on peut le vendre.
Ah ben voilà, on va se refaire du pognon aussitôt arrivé. Couteau de récolte en bronze. Mais ça, c'est celui-là. Hein. Voilà. Je ferai peut-être le tri hors caméra parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Bah ouais, mais c'est chiant. Pff, oh, il y a un couteau ici. Ok. Truc de récolte en bronze, on a que ça en fait. Crâne en quartz, ok. Bon, voilà, il y a quand même. Mais bon, on peut pas tout mettre. On a toute la collection, mais on peut pas tout mettre. Bon! Comment ça se passe? Comment se passe-t-il? Rieko, Rieko. Elle a encore le bidon bien, bien gros. La petite est partie dormir. Bon, bah, tu vas pouvoir illuminer la journée, je sais pas. Parler des rêves. Comment vont les petits minous? Ah, nous avons Apollon qui se faufile un peu partout. Ah! Voilà. Ça y est. Il a peur de la télé. La méga télé quand même. Là, on a investi, on a mis de l'argent. Je sais plus si j'ai dit que l'appartement était dispo dans la galerie. Je sais pas, je pense pas. En tout cas, il est dispo dans la galerie. Et j'ai par contre enlevé tous les CC qui sont ça, ça, ça. Mais aussi les toiles, puisque c'est Marois qui les a faites. Et je n'étais pas sûre que ce soit considéré comme du CC. Donc en tout cas, pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème, j'ai enlevé les décorations qui sont propres à ma partie. Mais en tout cas, l'appartement est partagé, donc il n'y a pas toutes les toiles ici, vous voyez. Il est partagé tel quel. Oh là! Rieko, elle va accoucher. Ouais. La meuf, elle va accoucher. Devenir meilleures amies. Ah oui, non, mais j'étais toujours avec mon truc de meilleures amies, là. Je suis en train de me dire que elle peut devenir meilleure amie avec Rieko comme ça, mais... Caleb et elle, ça marche pas. Monsieur quoi, monsieur Bernier? Lui, il est là. Ah oui, puis... Oh, bah oui, parce qu'on a une piscine maintenant. On est riche. Par contre, au niveau des factures, c'est oh my god, hein, quand même. Ça va être chaud, les marrons. Par contre, si je fais reprendre la clé, est-ce que c'est mauvais ou pas? Parce que maintenant, ils sont mariés, ils vivent ensemble. Enfin, je veux dire, il a pas besoin de la clé. On va faire reprendre la clé. Je sais pas si ça va être bien vu ou pas. Ah, non. Mais oui, mais tu vis là, Caleb. T'as pas besoin de la clé. Allez, Rieko, elle va partir. Elle va aller accoucher. Je sais pas si c'est ça qui est bloqué au niveau de du meilleur ami. Non, apparemment. Je ne sais pas. Il est quelle heure? Il est jeudi 14h40. Discuter d'histoire ancienne. Exprimer son admiration. Faire des grimaces. Baratiner. Ah, Fekkejenei! Est-ce que on pourrait quand même avancer sur une chose ou deux? Je vous pose la question. À Caleb, il atteint des nouveaux niveaux en parlant avec Marwa. Bon, les chats, ils ont l'air de kiffer la maison. Bah. Voilà. Alors j'espère que ça n'aurait pas de bug si vous prenez l'appart, parce que moi, quand je l'ai réinstallé dans une autre partie pour enlever tous les trucs là et le remettre, j'avais ce mur là qui avait disparu. Ah oui, et puis il y a un truc, j'avais fait un micmac. Oh! Apollon a vieilli! Oh, Apollon, il devient un grand garçon. Oui, j'avais fait un micmac, mais là, je ne l'ai pas remis. Donc, ce sera pour l'épisode prochain. Avec des photos de mariage de Marwa et Caleb. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas des photos qu'on a fait pendant le mariage. Mais justement, c'est pour avoir un petit micmac de trucs. Alors, mon petit Apollon. Tu es trop mignon, mon petit Apollon. Qui c'est qui a commencé des toiles et qui les finit pas? Toi, t'as fait celle-là.
Tu vas la vendre? Ah bah donc c'est toi qui as commencé une toile. Et bah tu reprends la toile qu'elle a fait. Nous on doit gagner de l'argent. Parce que là les factures à mon avis pour cet appartement ça va être quelque chose, hein. Donc ce serait bien aussi d'avoir ce qu'il faut. En thunasse. En pognon. Elle est où? Ah elle est là. Ça commence hyper plus grand donc effectivement. On a tendance à la perdre. Oh, ça se déforme. C'est qu'en fait, j'avais pas du tout eu l'idée d'avoir une piscine. Puis c'est en faisant l'appart, je dis, mais mince, ça pourrait être hyper cool d'avoir vu sur une piscine. Et la piscine, en fait, ce que j'adore, c'est d'être au bord comme ça, du précipice, et d'avoir la ville juste comme ça. En fait, limite une piscine à débordement, ce serait encore plus classe. Mais bon, là, on peut pas, ça n'existe pas dans les Sims. Après, elle déborderait dans la rue, donc je suis pas sûre que ce serait sympa. Il se passe un truc en bas? Non. Juste la vie, quoi. Ok! Et puis, Marwa, est-ce que tu peux venir faire une petite toile? Une œuvre de street art abstraite. Du coup, je lui ai mis exprès ici, sur le sol. Alors, j'aurais adoré faire la fresque murale, mais il n'y a pas assez de murs. Parce qu'il n'y a pas assez de murs, parce que j'ai mis des fenêtres partout. Non, effectivement. J'aurais adoré, et puis on l'aurait gardé longtemps, et puis elle en aurait fait un autre et tout, mais là, il n'y avait pas assez de murs, vu que c'est que du vitré. Ouais, je crois qu'il s'est barré, Apollon. Ouais, il est là. Ah, petit! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas rentrer à l'ancienne maison, hein? Te fais pas écraser par les voitures non plus, hein? Quand même. Bah ouais, d'accord. Ok, il a fait son petit tour du quartier, il s'est dit wesh, wesh, j'aime bien l'immeuble, wesh, wesh. Ça va. Qu'est-ce que la litière, elle est un petit peu crado. Toi, t'as faim? Eh ben, tu vas manger. Tu vas vider la litière et tu vas aller prendre une douche. Donc ça va. Ils ont quand même accès à l'arbre à chat sous l'escalier parce que. C'était de l'espace perdu d'avoir ça. Ah, et on n'oublie pas la caractéristique qui sont des vampires, parce que j'ai laissé un petit cercueil sur le balcon. Ça fait un peu perdu comme ça, en plus il n'y a pas de déco ni rien, mais bon, je me suis dit, en même temps, ils y vont tellement jamais. On peut le laisser là, et puis on verra au fur et à mesure du jeu et de la vie ce qui se passera, quoi. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qu'il y a? Non. On préfère que tu viennes, Lilith. Alors, il est 17h50. Mais il fait nuit chez... Dans... Ouais, c'est nul. Quand même. Il fait déjà nuit, il est même pas à peine 18h. Ah ouais, pile à 18h, la nuit tombe dans San Michuno, quoi. Ok. Elle continue son œuvre de street art. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yanabe Shima qui vient faire chier son monde. Hop. Vas-y maman, pas moi dessus. Pas moi dessus. Allez, vas-y, pas moi dessus. Alors, depuis tout à l'heure, elle met de la couleur, Marwa, mais je ne vois rien de couleur qui arrive hein, quand même. Oh, punaise, par contre, elle est toute... Elle s'est fait lacérer. T'es malade, Marwa? Bah ouais, ça change comme d'habitude. T'as toujours un truc qui va pas. Ah, c'est pour ça qu'elle est joueuse. Elle est malade. Ok, j'ai compris. Après, tu mangeras un coup. Et je crois qu'on avait. J'avais vu les médicaments. Bah oui, bah c'est toujours le merdier là-dedans. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce qu'ils sont ces putains de médicaments? Mais mange! Qu'est-ce qu'elle me fait? Non. Boire. Allez, bois. Ma roi est buggée. Mais j'ai pas de médoc? Putain, c'est pas possible. Ma roi est buggée, Rieko. Ouais, viens. Je suis sûre qu'elle a accouché.
Je suis sûre qu'elle a accouché. Bon, Marwa, tu... Oui, mais t'es chiante. Je t'ai dit de boire ça, cocotte. Voilà, je vous jure. Voilà, ça y est. Non, pas placé dans le monde. Oh là là. Ça, j'ai enfin réussi. En fait, j'en ai carrément racheté. Ok, Marwa. Ah, mais tu me casses les noix là. Allez. Prends ton médoc. Tu te sens mieux? Allez. Bois quelque chose. Faudrait pas que tu sois en train de mourir. Ah, mais t'es chiante! Bon sang, bonsoir! Là! Tu casses les couilles! Tu bois! Allez, dépêche-toi! On a Kalebou qui nous fait de la peinture. Waouh! Ça y est, c'est son nouveau truc, hein, maintenant. Et donc, il y avait Rieko qui devait passer. Ah, ben elle est là. Eh non, elle est toujours enceinte. Bon, ok. Marwa, tu peux venir ici, s'il te plaise. On va organiser une petite fiesta. Ouais. D'accord. Ah bah voilà, on a encore reçu des trucs d'archéologie, donc ça va nous rapporter de la thunasse. Mais avant tout, je veux... Qu'est-ce qu'ils ont, les chats? Ah, je crois que ça n'a pas été nettoyé, si. Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que tu as, Nabeshima? Non, mais Rieko, elle va exploser. Hein. Mais la litière, elle n'est pas accessible, en fait, c'est ça? Bah, elle est propre et agréable, ta litière. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Ah, ils font chier, ces chats. Bon, je vais la mettre. Et puis, je reviens. Voilà, j'ai mis la litière là dans le coin. Ça devrait aller mieux, non? Mais va coucher, cocotte! Alors, toi, tu vas. On va faire un événement social, puisque nous sommes très sociales. N'est-ce pas, ma roi? T'es où? Oh, bah, déjà. Oh, magnifique la toile, Caleb, tu me régales. Alors, séance de gentleman, fête privée, fête d'anniversaire, fête effrayante, dégustation de hot dog, dîner, mariage. On a déjà fait une fête privée. Soirée dansante. Les bambins. Merde. Ça. Fête d'anniversaire, maintenant, fête effrayante. Dîner. On va juste faire une petite soirée dansante. Sortez en ville avec vos amis, prévoyez d'aller en boîte de nuit locale. Bon, non. Bon, dans ce cas, on va faire une fête privée. Hôte, nous sommes deux. Nous invitons Gaston, Angélique, Stéphane. Tchouk tchouk. Lisa. Rieko, Lilith. Qui pourrait-on inviter en plus? Nathalie Guérin. Il n'y a pas trop de monde. Ouais. On va dire tout ça. Artiste, mixologue, traiteur. Non, c'est bon, on a de quoi faire. Résidence Vatoré. Bah oui. Tout à fait, nous allons faire la fête ici. Kalebou. Tu peux vendre du coup ça? Il y a une grosse fête au chalet. Non, mais il y a une grosse fête chez moi aussi, meuf. Donc tu viens ici, quoi. Oh là! Ah bah oui, c'est vrai, elle est invitée, mais ouf. Avec le ventre, ça fait un peu peur. Hein. Ça, je vais planquer. On va mettre de la musique. Allumer musique, musique alternative. Régler le volume élevé. Elle a peur. Oh là là! Qui c'est qui a pissé, qui a perdu les os là? Ouais, elle est en train d'accoucher. Hein. Va falloir sermonner à propos de boire dans une flaque.
J'allais dire, c'est bon. La litière, ils vont pouvoir y aller. Donc tant mieux. Tiens, salut! Faire en sorte que les jeux. Que les Sims jouent à des jeux en même temps, raconter des blagues et boire. Ok, ah bah. Caleb! Caleb, tu vas aller au bar? Ah bah non, j'avais préparé. J'avais mis un bar quelque part et je l'ai enlevé. Mince. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas de bar. J'ai pas de bar dans mon appartement. Bah mince. J'étais persuadée que j'en avais, moi. Je pense que j'ai voulu le mettre, mais j'ai pas su le mettre, donc il n'y en a pas. Bon, bah, et c'est super! Tu vas boire de l'eau alors. Puis toi aussi, parce que de toute façon, il faut prendre de l'eau. Oh là là! Il y a un chat qui va venir bouffer le. Non. Non, 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 non. C'est Caleb qui l'a fait. Non, non, mais. Putain. Le chat, il va bouffer. C'est pas vrai. Engueuler le chat. Par contre, il y en a plein qui sont pas venus, hein. Attends, il est l'heure. On peut aller carrément. Tu vas remercier Arieko d'être là, mais elle est tout le temps là. Elle aussi. Hop. Ah, mais non, ça y est. Voilà Angélique. C'est vrai qu'elle voulait nous tromper. Ah, il y en a une qui est en train de jouer au basket. Gaston est là aussi. D'accord. Mais comme quoi. Ah, quelqu'un a téléchargé le Loft Vator. Eh ben merci à la personne qui l'aura pris. Et même à tout le monde qui aura pris, parce que ça fait plaisir de voir que les constructions peuvent plaire. Donc vraiment, merci à tous. Bon, ça va, il y a du monde. Illuminer la journée. Ah, et Gaston, on va peut-être l'accueillir, Gaston. Remercier d'être là. Montrer les photos de Salvadorada. Alors, les objectifs principaux, c'était les aides socialisées avec les invités. Ça, on y est presque. On n'a toujours pas fini nos deux verres d'eau. Non, mais toi aussi, tu vas bouffer dans le truc? Ah, ça suffit, hein. Il y a à manger là, vous allez manger là où il y a à manger. Bon, j'avoue, il fait un peu sombre dans la maison, mais je trouve ça pas mal en fait. Je pensais que ça éclairerait plus en bas, mais c'est pas trop le cas, mais bon, c'est pas mal. Ça fait tamiser aussi, donc pourquoi pas. Elle a des skills, c'est Angélique. Faire connaissance. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, la petite, elle va aux toilettes. Ouh là là, la faim. Rieko, tu vas accoucher chez nous. J'ai l'impression que Nabeshima, elle est contente d'avoir un copain, non? Ils ont l'air de jouer ensemble. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi avec un fantôme, Nabeshima? Lui, il se planque, hein. Le chat, il se planque. On dirait mon chat. On dirait mon bébé Titi. Il se planque sous le lit, il va sauter sur... Et comme par hasard, Lilith n'est pas là. Alors toi, tu vas... Ouais, c'est bien, cocotte. Après, tu reviendras manger. Non, non, dis donc, tu viens ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, elle fait... je croyais qu'elle allait bouffer. Il y a déjà pas beaucoup d'humains, alors si en plus on les bouffe, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Hein. Ah bah voilà! Ce qui devait arriver arriva. On a Gaston qui avait une petite faim et il a bouffé la meuf. Les taquineurs de goujons. Mais magnifique le groupe. Ah, t'es pas beau, Gaston, avec ta petite moustache. Et on dirait que t'as une chemise de flic là. Pouh, c'est pas beau. Ou j'aime pas du tout. Ouh, il est vénère. Il est vénère. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, bah il s'éclate. Mais non, mais il va bouffer tout le monde! Ah non, mais Gaston, ça va pas là! Eh oh, j'ai cliqué là! J'ai cliqué sur Gaston, on peut pas l'arrêter!
proposer. Vas-y, va lui parler là, je sais pas. Il a l'air d'être. Non mais voilà, on fait une petite soirée tranquille entre vampires et humains, et les humains sont bouffés par les vampires, bah c'est logique. Hein. Ah, la choupette, elle est levée. Quel spectacle, la petite elle arrive, et elle est chaud par terre et tout. Ouais, tu vas prendre une portion, cocotte. Vas-y. Ok, elle va bientôt grandir, c'est ça l'histoire? Ah bah oui! Elle va devenir une enfant. C'est bien, c'est que à peine on aura fait sa chambre que faudra déjà la rechanger. Et puis monter. Et puis tu vas illuminer la journée. Remercie d'être là. Alors on a sociabilisé, faut raconter des blagues par contre. Tu vas raconter une blague à ta sœur. Drôle. Raconter une histoire drôle, voilà. Ah, c'est-à-dire qu'il va rebouffer. Non. Non, c'est Nabeshima. Ça va pas du tout. Oh, putain. J'ai donné à manger à ma fille ce que les chats ils ont bouffé dedans, quoi. Tout va bien. Ça, elle s'en remet et elle mange. L'autre, il est toujours par terre. Oh là là. Va engueuler Nabeshima, Marwa, là, c'est bon. Tu pourras faire des blagues après, hein. Marwa. Ça y est, il y en a une qui a appris à plus manger dans les trucs. Ce sera pour Azenor plus tard. Le truc bien horrible, en fait. Toi, d'accord, est-ce que tu peux raconter une blague? Une blague. Histoire drôle, voilà, Toc Toc qui est là. Mais vous avez bu des verres et ça compte pas. Mon truc, il est bientôt fini, on est vraiment nuls. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, la petite? Où sont-ils tous passés? Mais ils sont tous là à partager de l'amour. Rieko est partie, hein. Ah bah non, elle est encore là. J'allais dire Rieko est partie accoucher, mais non. On va discuter avec Rieko. Voilà, comme ça elle sera contente. La petite, elle se fait des roulades. Mais c'est quoi cette musique de merde, les gens? J'avais dit alternative. C'est nul, ça. Oh là là, médaille de bronze. Oh, la nullité. Ah bah, lui aussi, les manettes. Bah oui, bah ça, c'est les Sims. Pourquoi il y a... Fierté d'hôte. Organise une fête. Voilà, tout le monde s'en va. Eh ben, c'était bien nul. Hein? Je dis ça comme ça. Ah bah ouais, d'accord, ça se passe toujours pas avec sa fille, c'est magnifique. Oh là 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 là, faire connaissance. Illuminer la journée. Ah, nickel. Comment s'est passée la journée? Bon, oui d'accord Caleb, j'ai compris, tu es malade aussi. Vous me faites chier, hein, et tous malades en même temps. Médicaments. Médicament. Voilà. Calebou, il a son médicament. Là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est là. Prends le médicament. Bon, tu peux te barrer, Rieko, là, maintenant. Je sais pas, c'est... comme tu veux. Demander de vivre ensemble. Ah! Devenir meilleurs amis! Parce que ça marche pas avec Marwa, hein. C'est ça qui est fou. Cela, on pourrait au moins inviter. Passer à la fin de l'aspiration pour Calebou. Mais non, ça marche pas avec Marwa, hein, c'est hallucinant. Tu peux pas être meilleur ami avec sa fille. Bon, bah tu vas être meilleur ami avec elle. Voilà. Y a pas d'autre choix. Allez, zou!
Ils ont l'air buggés, ces Sims, je crois. Ah, vous êtes buggés, les gars. Et je voulais voir l'arbre. On va arroser. Ouais, et donc ça veut dire que lui, il a fini son aspiration. Marois et Caleb, mais ils étaient déjà meilleurs amis. Mais la blague. Mais la blague, ça veut dire que elle, du coup, elle a plus de meilleurs amis. Mais si. Je comprends rien. Et il faut qu'elle récolte... Et lui, il lui reste un jour pour terminer son truc, donc on y est presque à la fin de son aspiration. Tu peux du coup pulvériser de l'insecticide. Et fertiliser. Avec des haricots noirs, tiens. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais... Puis t'essuieras aussi quand même, parce que bon, faut pas déconner. Alors, notre pactole s'élève à 1500 simflouz. Bon, la soirée étant finie, on va mettre quand même le son moyen. Voire éteindre. Voilà, parce que de toute façon, il se passe rien. On a fini la soirée. Il est un peu 5h du matin, tout va bien. Vive les vampires. La petite, elle va bien, du coup. Hein. Oh, elle a besoin de divertissement. Ben, Cocotte, joue avec tes formes. En pile. Ah, regardez la télé. D'accord. Ouais, bah écoute, hein, tu fais ta vie. Ça, c'est ta vie. Et Calebou. Calebou, on a reçu des trucs. Donc tu vas Non. Bah non. C'est avec le courrier, peut-être. Je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être avec le courrier. Bah non. Bah je sais pas. Ah, ça fait tout bizarre, là. Il n'y a pas les murs, j'aime pas. En fait, j'aime bien quand il y a les murs. Le problème, c'est qu'il faut vachement zoomer. Voilà. Tu peux vendre ça, alors, Calebou? Ça, c'est une de tes œuvres. Voilà. Compétence 5 communication pour Azenor. Eh ben, dis donc. Tu es une bonne petite fille, hein. Elle va faire un câlin à la pépette. Elle a tous ces trucs qui s'accumulent. Oh ouais, la chatte, elle a l'air d'aimer le téléviseur, ce qui est pas le cas d'Apollon. Mais Rieko, tu peux partir aussi. Allez, on va te dire au revoir, demander de partir. Va accoucher, parce que là, ça fait deux fois que tu nous fais le coup. Non mais là, Rieko, tu vois pas que t'es en train de tout salouper la maison. Tu vas nous accoucher dans la baraque, là, on a tout refait l'appart. Tu vas nous mettre du placenta partout. Allez, salé. Va accoucher, fais-nous un petit neveu-nièce, là, tout ce que tu veux. Mais va-t'en. C'est au moins ça. Je vais essayer de voir si je peux lui demander... un projet à s'accoupler avec... Ça marche pas? Bah. Encourager à ça plus que avec Apollon. Ouais, pas qu'elle soit après trop vieille d'un coup et on pouvait pas se faire des chatons. Le mélange risque d'être rigolo, hein. On verra bien. Apollon, il va faire caca. Hop là, dans la litière. On va voir si ça marche, hein. J'avoue, j'en ai marre que ça ne marche jamais avec moi. Bon, tu te fais ton petit caca, Apollon, et puis... Mince, faudrait pas que je rate ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est bon, ça. Ça y est. Oh mon Dieu, ça y est. Ah bah non. Lui, il l'aime plus. C'est trop chou, ils se corsent l'un l'autre. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui se sont foutus à la porte. Ah si, ils ont fait... Vous avez vu, ils ont fait des mamours, en fait. C'est-à-dire que quand il y a des cœurs, bah, c'est que c'est très bien. Et que ça va marcher normalement. Mais sinon, ils font aussi... quand il n'y a pas de mamour, ben, il y a peu de chances que ça marche. Alors, tu nous as fait une toile. 1228, c'est super. Tu peux nous la vendre?
Ah, c'est cool. Alors, toi, attends, tu vas aussi demander à t'accoupler. Normalement, bah non, en fait, c'est plus sur la femelle, hein, je crois. Faut, je sais pas. Bah, félicité. Le petit Apollon, tout beau, tout mignon. Et d'un beau petit garçon qui va faire des chatons. Et voilà, ça, j'ai fait des rimes. Un petit câlin. On dirait qu'il n'y avait rien à trouver pour votre animal et c'est peut-être dans un autre monde. Ah oui. D'accord. Allez, on a Beshima. Tu vas nous faire des bébés? On le saura quand? Quand est-ce qu'on saura si elle a un dernier bébé? Eh ben peut-être qu'on le fera pour la prochaine fois. Ah, oh, c'est reparti pour la chansonnette. Bon, mais vous, vous me saoulez. Allez, embrassez les mains. Crac, crac. Allez, allez faire crac, crac, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle pleure, elle pleure. Pff, elle miaule, je veux dire. Youp là! Hop, ils vont aller étrenner leur nouvelle chambre. Faite avec goût. Oui, parce que c'est moi qui l'ai faite. Et j'essaierai du coup la prochaine fois d'installer, je vais y arriver, d'installer les photos supplémentaires de mariage ici, peut-être en bas aussi, que j'ai mis à manigancer en douce entre deux, mais c'est vrai que j'ai oublié de le faire avant d'intégrer de faire cet épisode. Célébrer, c'est... Bah voilà, il y aura beaucoup de choses à célébrer pour la prochaine fois. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que l'appartement vous a plu. Ah, au niveau des thunes, des sous de Caleb, des bouquins, eh ben, il va falloir qu'on en refasse parce qu'on perd de l'argent. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Marois ou d'autres choses. Allez, salut!